Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tesson. Nous sommes partis pour la quête conflit de loyauté qui se trouve juste ici, voilà. Donc on va faire cette quête là, mais avant je vais vous montrer ce que j'ai changé par rapport à mes compétences. En fait j'ai mis là, j'ai enlevé deux compétences, j'ai enlevé le TP et l'éclair. Donc j'ai changé par les compétences de bâton de destruction qui se trouve juste ici. Donc j'ai mis la prise de destructrice, pardon, qui est l'évolution de l'ancien que je ne connais plus le nom, qui fait ceci comme, comme dégâts. En plus, il fait l'effet du bâton. Et là, pour le bâton, pour le moment, j'ai un bâton de glace. Donc, du coup, il immobilise la cible. Voilà, donc ça, c'est ça. Et ensuite, j'ai choisi Impulsion, qui remplace le TP hein, que j'avais avec l'électricité et tout ça, qui fait 2215 pardon, de dégâts. Hein, aux ennemis proches, donc c'est un truc et je vais le faire évoluer en espérant que ça fasse quelque chose de pas mal après. Donc voilà, donc sinon c'est sympa, ça fait ça comme effet, c'est assez drôle. Alors par contre, il y avait le gars là, on va aller lui parler pour commencer la quête, on verra bien ce que ça va donner. Hello. D'abord l'orage, puis le naufrage sur la glace, et enfin ces horribles monstres qui nous attaquent. Ah, si seulement ma femme l'avait pas dit. De l'aide? Bien sûr que nous avons besoin d'aide. Je suis marié à Dame Sauvel, l'ambassadrice. Ce n'est pas le moment de discuter de géographie. Ma femme a dit... Le haut roi Emric compte beaucoup sur ma... Allez, fouillez l'épave, c'est parti. Sac! Sac! Ah, c'est volé, c'est con ça. Je vais quand même regarder. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Et ici? Il n'y a rien de bien! Y'a rien de bien! Alors. Tiens, il y a l'air d'avoir une quête par là que je n'ai pas pris. Allons vite voir ça. Si je peux faire deux quêtes en une, c'est toujours le... C'est toujours le mieux. Bonjour, toi. Là, t'es vraiment une tête spéciale, toi. Mais j'aime bien. Si j'étais plus fort, je le... Ai-je bien entendu, vous, par coup? Je m'excuse de vous solliciter, mais force, mais... Comparé à tous ces morts, cela peut paraître trivial, mais... J'apprécie votre aide. C'est un bijou somptueux. En vérité, je ne l'ai pas vraiment perdu. J'ai été forcé de le laisser à... Vous doutez de ma parole? Comme c'est triste. Bien sûr que ce... Ok. C'est quoi cette quête qui me dit d'aller par là? Je vous ai vu parler à cette lavette d'Étienne. Il n'arrive pas à la cheville de son père. Tout à fait. Mais ça ne signifie pas grand-chose maintenant que mes navires sont en miettes. Vous voulez quelque chose, à part me rappeler mes échecs? Sur le pont de Car, pendant la tempête... Nous avons secouru... Dévié? Ouais. Sur le pont de Car. Ouais, bon, elle avait rien de très intéressant à dire de toute façon. Allez, conflit de loyauté, et normalement, il y a l'autre quête. D'ailleurs, il est où, ce... Il m'a dit de chercher son... Son bijou, là, mais ça me... Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Par contre, ouais, voilà, si le sort se met pas... Putain, au dernier moment, à chaque fois, hein. Oh! Ils sont chauds les spectres, hein! Ça va le faire, ça va le faire. Bien ça. Ah.
Ah oui, c'est vrai que la magie, là, du coup, elle descend très très vite, hein. Alors que je fasse attention à ça, par contre. Parce que les sorts que j'ai mis coûtent beaucoup plus de magie qu'avant. Donc c'est vrai que clairement, ça... Ça vide ma magie, mais c'est hallucinant. Il y a rien fait. Bien. Parfait. C'est bon, ils ont fini, il va falloir qu'il y ait quelqu'un nerveux. Ah, apparemment il y a un survivant déjà, ça c'est pas mal. Fait. Vous, je suis l'officier en second du vaisseau amiral, la fortune de Maté. Scordo le surin, c'est un orque de poing. L'ambassadrice, aucune idée. J'ai bien vu. Je vais aller voir comment le seigneur Étienne s'en sort. Écoute, avec du genre plaisir. Nerveux. Avec plaisir, il n'y a rien à récupérer? Pas vraiment, non. Alors, second là-bas. Donc ça, c'est valeur sentimentale. On ira faire ça après. Je vais déjà essayer d'aller là-bas. Pourquoi je peux pas sauter par... Ah, c'est hallucinant, ça, quand même. J'appuie, voilà. Allez, défonce-le. Allez, point de champion. Mais comment il tombe trop, quoi. C'est génial. Il semblait que point de champion, j'étais à 9-9. Ah non. Non, je pensais que... Il fait quoi, ça, encore? Voilà. Pourquoi il meurt pas? Ah. Je comprenais pas là. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Je sais pas.
Va savoir. Y a quelqu'un ici ? Ouais, j'arrive, Quelqu'un d'autre qu'un Ricker ? Oui, j'aurais oui, bien oui. besoin d'un coup de main. Attends, bouge pas, j'arrive, mon grand. Oui, j'arrive, je t'ai dit. Laisse-moi deux secondes quand même, je suis en train de te sauver la vie. Sois pas si pressé. Oh là là, mais qui est stressé de la vie, lui. Va se détendre. Qui que vous soyez, pouvez-vous déplacer ces caisses ? Non. Tu vas déjà me parler autrement, mon grand. Ouh. T'as l'air d'être dans le caca. Je vais te laisser deux petites secondes histoire de faire le tour. Hein. Après, tu m'en veux pas, hein, mais bon, vu comment tu me parles déjà. Aucun respect, quoi, le gars. Ouais, d'accord, y'a rien d'autre. Ce fichu mobilier m'a bousillé le bras. Je ne peux plus rien faire. C'est con, ça. Cet idiot de navire. Bien sûr. Je savais bien qu'on se reverrait. Vous avez l'habitude... Ah oui ? La dernière fois que j'ai vu ce Ragnar sans tripes, il s'en allait avec Coris le mage, en me laissant crever ici. Je l'ai... Ça paraît étonnant, mais tout... Alors c'est quoi ça ? Y a vraiment rien là ? C'est juste le bouquin. Pourquoi il pétille comme ça ? Je sais pas pourquoi il pétille comme ça le bouquin. Cette note du père du seigneur Etienne. Ce n'est pas une preuve que le capitaine a fait quoi que ce soit à l'ambassadrice. Mais cela ne me dit rien qui vaille. Ah ouais, il fallait peut-être lire, ça aurait peut-être pu... vu que j'ai pas vraiment lu... Y'a rien là-dedans. Je ne servirai pas à grand-chose au combat, alors je vais vous suivre. Je vous suggère d'examiner d'autres épaves. Ou bien peut-être est-elle partie du côté de cette tour, là-bas. Ouais, ça va être ça, oui, mais d'abord je vais... Fuck. Pourquoi je suis coincé? Ouais, d'accord, c'est que c'était... Alors... On va d'abord aller faire le voleur sentimental, ensuite on ira continuer la quête avec l'ambassadrice. Hein. Ah, j'y ai cru jusqu'au bout. J'y ai cru jusqu'au bout. Voilà. C'est ça. Allez donc fouiller les épaves. Ne vous préoccupez pas de moi. Dame Sauvel ne court aucun danger, c'est sûr. Bah oui, oui. Et si ça te plaît pas, je te laisse ici, espèce de connard. Non mais tu te prends pour qui, toi? Tu crois vraiment que je fais ça gratos? Hein? Non mais tu me connais pas, tu crois que je suis généreux, moi? Mais non mais t'es fou, toi. Bah voilà, hein. Tac, allez. On va aller chercher le conflit. Hop, voilà. J'ai pas envie de me le faire, ils me font chier. Voici Holbert. Il est avec ce Ragnar de Seigneur Etienne. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Avez-vous retrouvé ma chère Sauvel? Je vous en prie, dites-moi qu'elle va bien. Attends deux secondes. Bouge pas, mon grand. Oh, le sort! Putain, mais regardez ça, comment je spamme le bouton, il se passe rien, quoi. Une fois que le capitaine... Mais c'est pas toi que je parlais, ce seigneur. Avez-vous retrouvé... Où peut-elle être? Impossible! Le capitaine travaille... Faites pas de mal! Mon père vous donnera de l'argent! Je déteste vraiment les intrus indiscrets.
Oh putain, il s'est un soigneur. Oh, fais chier. Oh mais mon pote, tu sais quoi, je restais près de toi. Comme ça, dès que tu vas commencer à te soigner. Ne soigne pas mon grand. Je t'ai dit de pas te soigner, merde. Allez, j'ai plus d'énergie, fais chier. Quand même, saloperie, va. Dès qu'il commence à se soigner, de toute façon, ceux-là, j'ai du mal. Alors. Au secours ! Oh là là. Mais j'arrive, j'arrive. On a pas un pour attraper l'autre, hein. Ouais. Rien d'exceptionnel, hein. Oh, tu fais de moi ou quoi? Pourquoi il recule quand je dis un bouquin? Ah, attendez deux petites secondes, je bougeais pas. Voilà, désolé. J'en étais où? Ah oui. Hop. Ah, il y a eu des blessés ici. Betterave, on s'en fout. Baril, je veux prendre. Ouais, sac à la limite. Oh non, rien de bien, rien de bien. Allez, hop. Ça va? Sauvel n'est pas ici. Et je pense que ce mage a essayé de me tuer. Ou alors, c'est vous? Quoi? Mais comment osez-vous insinuer une telle horreur? Jamais de la vie! Je regrette autant que vous la disparition de Sauvel. Père avait promis. Nous devions simplement... On devait... Le capitaine travaille pour mon père depuis des années. Mon père, on ne peut rien lui refuser. Il a dit... Non, vraiment, ça ne devait pas se passer comme ça. Ouais. Faut pas que j'allume le feu parce qu'on se caille, hein. Non. Se passe quoi si je shoot? Je crois que je meurs. Bon, on va prendre l'escalier quand même. Hein. Oh, oh, cette classe, ce talent. Oh, ce style. Tout fait en un coup. Où est-ce qu'il est maintenant, cet abruti? Voilà. Scordo a trouvé quelque chose. Dis-moi tout. Pendant que vous étiez dans le sémaphore, par là, il a trouvé une sorte de vieille cachette de contre. Je retourne au camp. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Vous voyez cette caverne? Rien en fin de compte. C'était juste une impression. Pourquoi raisonner avec une personne pareille? Je sais que vous êtes là-dedans, Anrisa! Où est ma femme? Retournez auprès de votre père, petit homme pathétique. Libérez immédiatement ma femme, Vermine. Je vais rendre service à votre père. Elle m'a poignardé. T'as l'air bien en forme pour quelqu'un qui vient de se faire poignarder, mon gars. Je me sens un peu faible. Je ne l'ai pas vu venir. Partez à la recherche de Anrisa.
Je vais voir ce que je peux faire pour le seigneur Etienne. Ça va. L'abri du contrebandier. Ouh, j'aime quand il n'y a pas de chargement comme ça. Le haut roi Emeric entendra parler de cela. Espèce de traître. Le haut roi Emeric. L'espèce de sale connard qui... Bon, allez, tiens, on va te défoncer ta race. Je pensais que vous n'étiez qu'une sale amie des orques. J'aurais dû vous étriper dès votre entrée dans le camp. Un petit Atronax, je dirais pas non en fait, hein, les gars. Oh, oh. Ouais, bah tu vas me parler vite autrement, toi, sinon je te laisse dans ta cage toute pourrie. Où est-ce que t'es? Là-bas. Mais fais pas chier, toi, hein. Mais fais pas chier. T'as vraiment rien, hein. Là, dans les barils, il n'y a rien. Ah, là, il y a un sac, par contre. Ouais, non, rien de bien exceptionnel, hein, les amis. Oh là. Vivement que je retourne sur Fallout pour me faire plaisir à ramasser des trucs, quoi. Ah. Pff, à la limite, je vais prendre le chapeau et je vais le daze. Ouais, ça me fera un peu de matériaux. Ça va? Attends, je fouille avant, hein. T'inquiète pas, j'arrive, je viens de sauver, mais avant que je fouille. T'es vraiment que dalle, hein. Je peux pas lui faire... Eh merde, je pensais pouvoir lui faire... Voilà la tire. Ça va, ma poule? Si vous pouviez me détacher, je vous en... Etienne? Tout est de la faute du père d'Etienne. Ah, Jason, mon mari. Pour ceux qui connaissent non, c'est pas les trois frères, c'est aller voir mon mari. Les rois mages, voilà, c'est ça, des inconnus. Ouais, ça j'ai déjà regardé. Rodgar. Ah, il est mouru. Mon pauvre Etienne. Oh, Etienne. Les orques négocieront. Non, mon ami. Vous en avez fait. C'est ce que me disait mon cœur. Vraiment? Notre mariage était un mariage de raison. Le père d'Etienne espérait régler... Allez! Vas-y, les points de champion qui tombent je comme des mouches. Je ne peux pas me permettre le moindre regret. Je dois d'abord me concentrer sur le traité d'Emeric. Exactement. Scordo, j'ai besoin que vous alliez à Orsinium dès que possible. T'as compris? Par contre, il y avait encore une quête là. Hein. J'ai ramassé son pendentif là. Où est-ce qu'il est? Valeur sentimentale. Mais oui, mais où est-ce qu'il est son. Putain, où est-ce qu'il est cette quête, sérieux? Bah, c'est pas grave, je vais aller par là, on verra bien. Ouais, c'est ça, c'est qu'apparemment le logo. L'image du truc était un peu trop. Bah, c'est pas toi que je l'ai prise. Ah non, c'est. Puis-je vous parler un moment? Dis-moi tout. Ce Ragnar de Yus vous a demandé de trouver un pendentif? Ah oui! Eh ben voyons. Si ce porc a une fiancée, je suis la reine de Dacfilante.
Ce pendentif est à moi. Il y a même mes initiales. Yus et moi sommes devenus familiers pendant le voyage, à mon grand regret. Après l'une de ces rencontres, j'ai remarqué que mon pendentif avait disparu. Yus a juré qu'il ne l'avait pas vu. Très bien, parlez au menteur. D'accord, je préfère être sûr, on sait jamais. Dites-moi, ma bonne amie, vraiment ? Vraiment ? Oh, c'est ridicule ! Qui peut... Ah, vous avez parlé à Azida, j'imagine. Écoutez, elle est simplement contrariée. Nous avons partagé quelques moments intimes pendant le voyage, mais elle voulait davantage que ce que j'acceptais de donner. Elle essaie simplement de me punir. Merde, c'était pas la bonne. Très bien. Parce qu'il m'appartient. Parce que c'est un voleur qui veut s'enrichir. Votre confiance est réconfortante. Voilà. Alors, t'as réussi à piquer le machin ? Ah non, voilà, c'est bon. Ok, valeur sentimentale, ça se fait. J'étais à Dune le jour de l'attaque. Merci. Ah bah de rien. De rien, avec plaisir. C'est toi qui viens de me dire ça ? Je suis perplexe. Je croyais que nous partions pour la ville Orc. D'accord. Dune, bah écoute, c'est bien sympa. Hein. Voilà, ça me fait plaisir, les amis. Voilà la tire. Ce serait de l'abus quand même. Hein. Bon bah les amis, écoutez, on va se quitter ici. De toute façon, je vais mettre mes points de champion. De toute façon, j'en ai chopé qu'un. Ah bon ? Ah bah voilà. Voilà, voilà. Il apporte quoi le 10 là ? Garantie votre machin, bloquer 3 sorts. Et alors c'est quoi ? Érosion augmente la pénétration de sorts. Pénétration. Voilà ! Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, en tout cas, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Et à plus tout le monde ! Salut, salut !